Bonjour à toutes et à tous les amis, bienvenue sur la chaîne de MacGamers, content de vous retrouver en cette nouvelle vidéo spéciale 3DS et aujourd'hui donc je vous propose l'installation du meilleur multisystème rétro gaming sur votre console avec Twilight Menu +++ qui vous amènera à pouvoir retrouver tout un tas de jeux d'enfance. C'est plutôt génial, c'est pour aujourd'hui et c'est parti. Allez, c'est parti les amis, donc place à cette fabuleuse application vraiment extraordinaire, Twilight Menu +++, qui vous amènera tout simplement à retrouver vos jeux rétro gaming sur votre console préférée, la 3DS. Alors à savoir que vous aurez en l'occurrence tout un tas de systèmes comme la Game Boy Color, la Mega Drive, la Game Gear, la Neo Geo, enfin tout un tas de systèmes franchement génial à retrouver sur votre console. Et ça fonctionne sur toutes les versions de 3DS comme les New, les XL et les 2DS et c'est franchement génial. À savoir que ça fonctionne aussi sur les petits linkers, vous savez, qu'on utilisait sur les Nintendo DS pour pouvoir en fait les faire fonctionner. Et ça c'est vraiment génial parce qu'en plus vous pourrez réutiliser ces vieilles consoles de l'époque. Voilà, alors pour faire ce petit tuto, il vous faudra tout simplement une console sous custom firmware. C'est vraiment très important les amis, avec Luma 3DS hein, que vous pourrez retrouver en description en 11.15, sinon vous ne pourrez pas installer tout simplement l'application. Et pour tous ceux qui possèdent une carte SD de 2 Go, vous avez la possibilité de retrouver mon petit tuto que j'avais fait sur Wii U, qui fonctionne sur Wii et 3DS aussi, auquel vous pourrez agrandir l'espace de stockage de votre carte sur une 128 Go pour pouvoir ajouter beaucoup plus de compléments de jeux, voilà, tout simplement à retrouver aussi en description. Alors pour faire ce petit tuto, il vous faudra donc le fabuleux dossier Twilight Menu que je vous ai concocté en description avec une petite extraction de WinRAR. Et vous aurez donc à l'intérieur la bonne fonctionnalité donc de ce fabuleux système avec en l'occurrence donc les CIA qu'on va installer avec FBI sur la console. Donc le boot game et le Twilight Menu en CIA. Et vous avez aussi la liste des ROM. Voilà, auquel vous pourrez mettre et rajouter tous les ROMs sur les systèmes qui ont été attribués, hein, tout simplement, qui sont compatibles avec l'application. Alors, à savoir que moi, j'ai rajouté quelques ROMs. S'il y a de l'Atari 2600, hein, vous allez voir, de toute façon, il y a de l'Atari 2200, 2700, de la Colévision, de l'Amstrad. Vous avez du DCware, de la Game Boy Color. Voilà, moi j'ai rajouté une petite ROM sans plus, Game Boy Color de Wario Land. Vous avez de la Game Boy Advance à rajouter. Vous avez de la Mega Drive aussi, du Street of Rage, j'ai mis en l'occurrence. Vous avez de la Game Gear, vous avez pas mal de petits systèmes hein, qui sont vraiment géniaux. De la M5, alors je ne sais pas trop ce que c'est, de la Sword M5. Je connais pas, de la Nintendo DS aussi, j'ai rajouté le petit Legend of Zelda, qui est franchement génial, vous avez de la NES, de la Neo Geo Pocket, vous avez de la SG-1000, de la Master System, et vous avez de la SNES avec de la TurboGrafx-16 et du WonderSwan, voilà, Color en plus. Franchement génial, donc il faudra adapter les bons formats et surtout mettre les ROM sur le bon système attribué, ce qui est normal. Donc moi j'ai mis quelques petits systèmes de jeux les amis, comme vous avez pu voir, donc la Mega Drive avec Street of Rage, de la Game Gear avec le Roi Lion, j'ai mis de la Game Boy directement Color avec Wario Land et puis un jeu NDS qu'on va tester directement. Donc la première chose qu'on va faire, on va récupérer la carte SD de la console, on va l'éteindre. Et puis on récupère la fabuleuse carte SD. Allez, c'est parti. Donc pour les New 3DS, elles seront directement derrière le capot, il faudra dévisser, ou sinon pour les FAT, elles sont sur les côtés. Hein. Ce qui est vraiment le plus simple. On récupère la petite carte SD, alors moi j'en suis sur une, je suis sur une 32 Go, voilà, qui est plutôt sympathique, qu'on va placer au PC. A savoir que vous pouvez adapter jusqu'à 128 Go. Et apparemment 256 ça marcherait aussi, mais j'ai jamais testé.
Alors, on se retrouve sur le lecteur de notre 3DS, voilà, tout simplement. Et ben, tout ce que vous avez à faire, c'est de prendre le dossier Twilight Menu, hein, donc tous les dossiers, les rajouter à la racine de votre carte SD. C'est tout ce que vous avez à faire. Voilà, donc vous avez un dossier CIA qui était normalement déjà sur votre lecteur. Vous faites oui hein, pour le fusionner, ce qui vous ramènera donc à deux Twilight Menu qu'on installera avec FBI. Une fois que c'est fait, vous fermez le tout. Et ensuite, on va directement éjecter la carte SD hein, pour éviter de la corrompre. Voilà. Une fois que c'est terminé, les amis, vous récupérez votre carte SD et on la place donc directement sur la 3DS pour ensuite l'allumer. Allez, c'est parti. Donc, depuis votre console, vous allez directement sur FBI. En fait, on va s'installer les deux applications, hein, Twilight Menu avec son Game Booter. Vous allez dans SD, et vous allez dans CIAS. Voilà, vous allez retrouver donc vos deux CIA auxquels vous installez et vous le supprimez. Vous faites A. Voilà, vous l'installez, vous le supprimez en même temps. Ça se fait automatiquement. Et vous faites pareil sur le deuxième. Twilight Menu CIA, vous l'installez et vous le supprimez. Alors, à savoir qu'on est sur la dernière mise à jour hein, de Twilight Menu. Il y en a souvent des mises à jour, donc je mettrai régulièrement à jour tout simplement le dossier. Et OK, une fois que c'est terminé, vous cliquez deux fois sur B et ensuite vous cliquez sur Start pour revenir au menu. Alors des fois, vous vous retrouvez directement avec un cadeau. Là, en l'occurrence, pour le moment, j'ai rien. Alors ce qu'il faut faire, vous éteignez votre console et vous la rallumez, tout simplement. Vous pouvez très bien avoir votre cadeau directement, mais là, en l'occurrence, moi, j'ai rien, donc je l'éteins et ensuite, je vais le rallumer. Donc, comme vous pouvez voir, j'ai un ou plusieurs logiciels qui ont été ajoutés, donc le fabuleux Twilight Menu qui se retrouve juste ici. Vous cliquez dessus et vous le démarrez, en fait, tout simplement, hein, on le démarre. Et là, vous allez donc tomber sur le meilleur multisystème rétro gaming qui est franchement génial, hein, donc le meilleur qui puisse avoir d'ailleurs bien mieux que RetroArch hein, de ce que j'ai testé. Et sur 2DS, il marche vraiment très très bien. Donc là, on choisit donc le mode de langage. On peut valider puisqu'on peut voir que l'interface est directement depuis les systèmes. Donc valider, vous appuyez sur A. Vous choisissez la région donc de vos jeux en européen, bien évidemment. Et vous appuyez sur l'écran tactile pour continuer. Allez, c'est parti. Vous allez avoir donc une petite préparation de la musique qui a été rajoutée sur le système hein, depuis la dernière mise à jour. C'est plutôt sympa. Et puis voilà, vous tombez directement donc sur le support de Twilight Menu, donc l'application, et à savoir que vous êtes directement en fait sur votre carte SD, les amis. Alors j'avais fait plusieurs tutos aussi que vous pourrez peut-être retrouver en description, que je vous mettrai si j'oublie pas, de pouvoir créer des images sur vos jeux qui sera beaucoup plus sympathique à regarder. Parce que là, c'est vrai que si on est sur un état brut, il n'y a pas grand-chose, mais vous aurez la possibilité d'avoir des images sur vos jeux, enfin une application beaucoup plus sympa à regarder. Donc là, on va directement dans les ROMs, en fait, dans le dossier des ROMs. Voilà, vous appuyez sur A, vous allez avoir le petit chargement, et puis vous avez tous les dossiers des ROMs, vous savez, qu'on a vu sur l'ordinateur. Donc on va pouvoir aller directement sur Game Boy avec le jeu Wario, voilà, que j'ai rajouté. Donc comme je vous le disais, il y a un petit tuto que je vous ai fait en description qui vous amènera à mettre la photo de votre jeu, hein. C'est vraiment très très simple. Donc vous appuyez sur A pour démarrer votre jeu. Donc il y a du son, hein, vous inquiétez pas, il y a tout ce qu'il faut, ça marche vraiment très bien. Et là en l'occurrence, voilà, vous jouez à votre petit Wario 2, hein, qui est franchement génial, Wario Land 2. Vous appuyez sur A, vous faites nouveau jeu. Et voilà, vous avez la particularité de pouvoir vous faire un petit jeu Game Boy Color sur votre 3DS, ça c'est franchement génial. C'est vraiment le top. Vous pouvez même appuyer sur L pour tout simplement avoir beaucoup plus de vitesse sur le jeu si c'est un petit peu long. C'est vraiment le top. Là, c'est tout mou. Et là, c'est super rapide.
Non, c'est vraiment une très très bonne application. Alors, pour quitter les systèmes, généralement, il faut accéder sur l'émulateur. Et ça vous amènera, alors selon les émulateurs, c'est pas tous les mêmes, malheureusement on va pas pouvoir tous les regarder parce que la vidéo va vraiment durer très longtemps, mais sur chaque système en fait vous avez une sorte de reboot émulateur qui vous permettra de quitter tout simplement le launcher. Donc là en l'occurrence sur Game Boy Color, bah, c'est sur le bouton R derrière, voilà, vous accédez en fait au menu et vous quittez le launcher. Vous appuyez sur A et ça vous amènera à retourner sur l'application. Voilà, donc ça c'est plutôt pas mal. On va faire un petit retour, on va aller voir un petit peu ailleurs. Donc qu'est-ce qu'on a vu? Game Boy, ah il y a de la Mega Drive, donc ça c'est peut-être un des systèmes qui ne fonctionnera pas, on va voir ça après. De la Game Gear, allez, avec le petit Lion Kings. En fait, le Mega Drive, j'avais pas vraiment trouvé la sortie en fait pour pouvoir retourner au menu. Là, en l'occurrence, bah voilà, super jeu Game Gear aussi, vraiment très très bien fait. Disney. Dans les émulateurs aussi, vous pouvez agrandir, vous pouvez faire pas mal de petites choses. Il faut juste rechercher un petit peu ce que vous voulez et surtout bidouiller quoi. Parce que sinon, c'est vrai que, bah, en l'occurrence, là, vous pouvez jouer, hein, mais vous pouvez sûrement changer, intervertir les écrans, faire un petit peu ce que vous voulez. Donc, le petit start, c'est parti, bouton A. Et puis voilà, vous jouez à votre jeu préféré. Non, c'est vraiment bien fait. Voilà, là, je suppose que sur l'émulateur, on peut agrandir, hein, bien évidemment, l'écran. On va aller retourner sur un autre système. Allez, sur la NDS. Voilà, donc là, on est sur la Nintendo DS. Franchement génial, avec notre Legend of Zelda. Vous cliquez sur OK. Et apparemment, ils nous disent que pour certains jeux, il vous faudra donc un formatage en 32 codes de allocution pour que les jeux chargent beaucoup plus vite. Donc moi, je crois que je l'avais fait, je me rappelle plus. Mais pour un meilleur système, les amis, il vous faudra formater votre carte SD en 32 d'allocution. Allez, on appuie sur A. On va démarrer le petit jeu, création du fichier de sauvegarde. Alors, on est sur une nouvelle mise à jour hein, qui est beaucoup plus rapide aujourd'hui. Hein. Franchement, il y a vraiment une très très grosse différence avec le dernier test hein, que j'avais fait au mois de décembre. Franchement, il n'y a rien à voir. Une superbe application que je recommande aujourd'hui. Le chargement du jeu. Et maintenant, vous allez vous retrouver avec les joies bah voilà, de la DS sur votre console. C'est franchement génial. Voilà les amis pour ce multisystème d'émulateur, le Twilight Menu Plus+, qui vous amènera à tout un tas de jeux rétro gaming pour retrouver un petit peu bah voilà, les systèmes de votre enfance. C'est franchement génial et ça vous amènera à plusieurs heures de jeu sur votre 3DS. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter les amis, ça ne pourra que me faire plaisir, me remercier. Puis on se retrouve à la semaine prochaine pour toujours et un peu plus de tutos. Ciao, bye.